rejoindre Yuna. Non. Yuna n'est pas là. Mais c'est personne. Les Mongols ont dû les rassembler ici. Du sang. D'autres villageois. De quoi sont-ils morts ? Du sang a coulé de sa bouche. Le parfum de l'aconite. Les Mongols ont appris à fabriquer mon poison. Ils l'utilisent contre nous. Moukos, Bertrandi ! Je peux les semer dans la tempête. Yuna, est-ce que c'est toi ? Je ne savais pas si tu te réveillerais. Il s'en est fallu de peu. Les Mongols m'ont administré mon propre poison. Comment est-ce possible ? Je l'ignore. Mais ils ont appris à le préparer eux-mêmes. Ils l'ont sûrement testé sur les habitants de Qin. Avant qu'ils ne brûlent le village, j'ai vu des familles baignant dans des mares de sang. Il n'y a qu'un moyen de les arrêter. Il faut tuer Khotun Khan. Son armée est postée dans une forteresse sur la côte, au port d'Izumi. Il nous faudra un camp à proximité. Je vais trouver un endroit. Ton équipement est dans ce coffre. Quand tu seras prêt, viens me retrouver à la tour de guet.
Je dois rejoindre Yuna. J'ai trouvé un meilleur repère. Grimpe et regarde vers la montagne. Un abri, situé dans la montagne. La pagode de Jogaku. Abritée, défendable, et à distance de frappe de la forteresse du Khan. Il y a juste un problème. Elle est aux mains des Mongols. On peut y remédier. Allons chercher les chevaux. Qu'as-tu fait de ton cheval ? Quand j'ai pris la fuite, les gardes nous ont tirés dessus. Ils ont tué Kage. Je suis désolé. Nous avons cela, à défaut. Allez! Ce sont des habitants de Qin? Je ne sais pas. Les Mongols ont brûlé de nombreux villages. Nous aurions dû pourchasser leur armée au lieu de nous entre-déchirer. Pourquoi t'es-tu rendu à ton oncle? Je ne voulais pas qu'il te capture. Mon oncle avait besoin d'accuser quelqu'un. Et j'étais la coupable idéale. Il essayait de me protéger, pour accomplir son devoir envers le Shogun. Je me suis rendu pour te permettre de fuir au nord et de retrouver la piste du Khan. Shimura n'aurait pas dû se retourner contre toi. Il voulait faire de moi son fils. J'ai anéanti son rêve. En faisant ce qui est juste. Faire ce qui est juste n'arrange pas toujours les choses. Dis ça aux gens que tu as sauvés. Si on réussit à tuer le Khan et à chasser les Mongols, ton oncle pourra-t-il te pardonner ? Quand j'étais jeune, Shimura était à la fois mon père, mon sensei, mon univers entier. Je n'ai jamais voulu le décevoir. J'espère que nous pourrons nous réconcilier. Quoi qu'il arrive, son pardon ne changera pas qui je suis. Il pense que je t'ai dévoyé. J'ai fait mes propres choix. Même sachant le prix à payer, je ferai les mêmes aujourd'hui. Même si le Shogun me voit comme un traître. Le temple de Jogaku est proche. Il y a un camp de pêcheurs au lac. On explorera les environs depuis cet endroit. Laissons les chevaux ici. Nous irons à pied. La forêt est épaisse. Elle nous dissimule. Elle dissimule aussi les Mongols. Pour atteindre le temple, le plus sûr est d'avancer à découvert. Ou sur un lac gelé. Un canon d'alerte. Pour prévenir le temple en cas d'attaque. Ils ont des prisonniers. Ils vont mourir de froid. On va les libérer. Éliminons les Mongols du camp et emparons-nous du temple.
Утсаад ирж мэдэн сэрэмжтэй бай. Ахад үцээр бол өгдөө болохно. Tain-tuin, Hanouin. À travailler. Vous êtes libre. Plus personne ici. Le temple sera mieux défendu. Ne nous précipitons pas. Voyons à quoi on a affaire. Il y a des explosifs sur la glace. On peut s'en servir contre eux. Les archers surveillent le lac. Ils vont nous voir et nous abattre. Faisons-les venir à nous. Comment ? On tire au canon d'alerte et on les attire sur la glace. Puis on se sépare et on les élimine. La garde. Je vais les débusquer. Attirons leur attention. Je dois rejoindre Yuna. Ça a marché. Ils sont sur place. On les élimine.
devons bien planifier notre attaque. On pourrait escalader cette cascade gelée et passer au-dessus du mur arrière. Suis-moi. Le chef de guerre et ses gardes. Si je l'achève, ils fuiront. C'est fini. Tout va bien. On a cru qu'on allait mourir en esclaves. Ils ne vous feront plus de mal. Pas de Mongols, des murs épais. On est en lieu sûr. Hé, hey. Ton oncle a choisi sa voie. Et moi, la mienne. Kotun a étudié les tactiques de Shimura. Il sait comment battre une armée de samouraïs. Mais il ne saura pas se défendre contre nous. Nous le ferons souffrir, pour Taka. Pour tout le monde.